Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite deck tech en Explorer. Depuis que l'Explorer Anthologie est sorti, on a certains decks de pionniers qui sont complets sur Arena. Ils sont complets. Mono White Human, ils sont complets, un petit peu comme Phyrexia. Regardez notre vidéo, on vous a débriefé un petit peu toute l'actualité qui va arriver début février sur la chaîne. J'ai déjà beaucoup trop parlé ce matin, du coup je bafouille. Mono White Human, le deck qui a posté le meilleur win rate au LEC Sophia, qui est le Pro Tour Régional Qualifier. Qui a été notamment dominé par les Français. Et ben voilà, ce deck là était un des decks qui a posté le meilleur win rate. Pour le coup, c'est un deck qui est très présent en Pionniers et que maintenant on peut jouer de manière totale sur Magic Arena, parce qu'on nous a apporté des nouveautés avec notamment le Braver les éléments et le Mutecaveau. Et donc on voulait vous présenter un petit peu ces nouveaux decks qui sont arrivés du Pionnier en Explorer. Et White Humain est le premier d'une longue liste. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, dérouler la description pour nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et partager dans les commentaires. On remerciera aussi les potos de Play-in. Exactement, Play-in by Magic Bazar, code Val&PL 2022 sur leur boutique, 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Donc merci à tous, ça arrive bientôt à la fin, donc si vous ne l'avez pas encore utilisé, n'hésitez pas. Et merci aussi. Merci aussi à Vox, les Nouveaux Potos, qui est une application d'enchères en live. Vous pouvez nous soutenir aussi également en téléchargeant l'application, lien en description. Il y a un code parrainage Val&PL, ça nous soutient dès que vous effectuez votre premier achat. Merci à tous, on est en live 2 fois par mois. Si jamais vous ne voulez pas louper nos lives, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de notre profil et nous suivre directement sur l'application. Plein de petites cartes, ça fait plaisir. Exactement. D'ailleurs, live de Noël qui arrive mercredi. Le live de Noël qui arrive mercredi. De Vox, avec des cadeaux, plein de dingueries, du booster, de la carte à l'unité, beaucoup de budget qui a été alloué par Vox. Grosse fiesta. Celui-là, donc ça fait très plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir. Mercredi 18h. 18h, mercredi 21 décembre. Vous venez, vous pouvez acheter de la belle carte. En plus, à chaque fois que vous faites un achat, c'est un don qui est reversé directement à la Croix-Rouge. On touche absolument 0 centime sur la vente de nos live Vox. Ça fait plaisir, ça vous permet vous en plus de faire une bonne action. Et comme tu l'as dit, il y a des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Vous venez, vous dépensez 0, vous avez un petit cadeau. C'est pas fou ça? En vrai. Lien dans la description, code parrainage Val&PL. Exact. On n'oublie pas. Cette déclisse du coup, mono blanc classique, on va rosser tour 1, tour 2, tour 3. Les ajouts, donc comme tu disais, Braver les éléments qui permet de passer à travers un board peut-être bloqué ou juste de se protéger potentiellement d'effets de dégâts ou de sauver nos bêtes. Tu l'as dit, bravo les éléments. Bravo les éléments. Bravo. Adepte optimiste, garde du corps intrépide, recruteuse, un nouveau tour 1 du coup qui a fait son apparition dans Brothers War. Ouais. Très récemment, qui permet de donner un peu un second souffle au deck potentiellement. C'est cool, ça régale. Les tours 2, Aspirant luminarque, Lieutenant de Thalia et Thalia du coup, puisqu'on a la lieutenante, on a Thalia. Que des bangers. Lieutenant qui est très important, qui joue un peu le rôle de Lord, entre guillemets, qui va buffer après coup tout notre board si on la pioche plus tard, ou bien qui va se buffer petit à petit en jouant d'autres humains. Donc c'est très très cool. Cathare brutal comme gestion, qui est un humain en plus, pour gérer du coup les boards adverses. Adeline pour avoir un humain qui met extrêmement bien la pression, en plus de faire un board large juste en attaquant, donc ça c'est bien, et de mettre des grosses patates. Et un petit spécialiste, une petite spécialiste en extraction qui permet souvent de réanimer une Thalia qui a été gérée quand elle est des contrôles par exemple, et ça fait bien chier l'adversaire quand on réanime Thalia. Faites-les bien chier. Faites-les bien chier. J'adore. Manabas qui fait plaisir parce qu'on a du coup 4 Mutecaveau qui peuvent beat down, 2 dunes de Chefette qui peuvent buffer notre board, un Eiganjo qui peut gérer le board adverse, Château Ardenval qui peut gonfler notre board petit à petit, qui fait des humains en plus. C'est ça. Donc ça marche bien avec le Lieutenant de Thalia. Et pensez aussi à activer vos Mutecaveau quand vous allez jouer vos Lieutenants de Thalia, si vous en avez la possibilité. Vous allez pouvoir mettre des marqueurs sur votre Mutecaveau. Exactement. Et 15 plaines qui permettent de faire du mana blanc. Ouais. Ça, c'est toujours pareil. Shibuya, c'est cadeau. C'est ça. Alors, il faut être déjà allé à Shibuya, sinon vous ne pouvez pas jouer cette plaine. J'y étais, juste sur les petits carreaux qui sont pile en face. Juste là. T'étais dans le bus qui sourit? J'étais dans le petit bus qui dit bonjour. Excellent. En sideval, qu'est-ce qu'on a au menu? Des repos en paix contre les jeux qui vont essayer d'abuser du cimetière. Je pense à notre ami Abzan Grisfang qui est aussi complete depuis le nouvel Explorer Anthologie. On a l'annonce du mariage contre les jeux interactifs. Typiquement, quand vous les tuez vite, vous les rentrez pas. Contre Mono Vert Dévotion et tout, on s'en bat les couilles d'annonce du mariage. Par contre, contre les jeux contrôle ou les jeux Rakdos, petite annonce du mariage, faut de la ressource. Ça fait plaisir, exactement. Les petits Reidane, c'est bien contre les jeux sacrifices parce que tu veux le jouer en tant que Valkmira. C'est vraiment pour ça que la carte existe. Ouais. Donc tu fais Valkmira, tiens, tu ping, je m'en fous. Exactement. Quatrième annonce, ouais. Détruire le mal contre les decks Sheoldred et Fab, donc contre les decks Rakdos midrange, pardon, qui est probablement un des match-up les plus compliqués du deck. Là où vos beaux match-up, très bons match-up vont être Mono Vert et UI Control. Donc du coup on a beaucoup d'armes entre les annonces du mariage et les détruire le mal contre les Rakdos midrange, et enfin 4 déposer les armes contre les œufs aggro parce qu'on veut pouvoir remove des bloquants. C'est ça, ouais. Et puis donner 3 PF, c'est pas très grave quoi. Allez, c'est cadeau, mais si contre Rakdos midrange, déposer les armes, c'est pas OK. Peut-être une petite quantité, peut-être entendable. Je voudrais trouver un match. Oh, ça bug toujours, parfait, mais ça bug plus pareil. Ouais. Classement. Mais à chaque fois, on a un nouveau bug. Ouais. Explorateur. Explorateur. White Human, c'est parti. Maintenant, il y a le petit onglet lettres, je sais pas si t'as vu. Oui, et ça m'a donné des petits boosters. Ah ouais? J'ai été cliqué, il y avait des petites news, il y avait marqué récupérer, j'avais l'impression d'être sur un gacha. Bah trop bien. Ouais. Mais en vrai, il faut gachaiser le jeu. Hein. Ah, c'est bien. Hein. Pour les mécaniques de j'ai été ouvrir ma petite news et marqué récupérer les récompenses, j'ai récupéré les petites récompenses, c'était bien. Parce qu'au final, c'est un peu un gacha, un TCG. Tu obtiens aléatoirement des on des peut trucs, le voir comme ça. Sauf que t'as des jokers pour contrer ça. Voilà, t'as des jokers. Tu peux pas être une baleine sur Magic Arena. Non, bah, très rapidement, tu as ce que tu veux. Donc, baleine, pour ceux qui ne savent pas, ça fait référence à ceux qui dépensent énormément d'argent dans les jeux d'hasard et qui, donc, du coup, ont des comptes qui sont très, très stonks et ils ont dépensé beaucoup d'argent, donc on les appelle des baleines. Ça marche sur des jeux comme Dokkan Battles, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, ou autres. Je me baisse un peu. Hop, Arena, c'est pas un gacha parce que au bout d'un moment, t'as pas besoin de dépenser des centaines de milliers d'euros pour tout avoir, puisqu'en fait le drop n'est pas aléatoire dû à tes wildcards. Ouais. Et en plus, la version free to play. Et tant mieux. T'imagines s'il fallait ouvrir genre, tu peux ouvrir 100 000 boosters et jamais avoir Sheoldred. Terrible. Ah bah terrible. Ouais, comme ce que t'es en train de faire là. Terrible. Ouais, double land, un peu chiant. Thalia, je crois. Ouais, vas-y. J'aurais peut-être dû l'endémut de Cavo d'ailleurs. Oh, je sais ce qu'il fait, lui. Il va nous jouer Gruul véhicule et du coup, bah, ça aime pas trop les Thalia. Non. Ça aime pas trop. Il s'en fout un peu parce qu'il joue Gruul quand même de prime abord, on va pas se mentir. Mais là, le petit Mutecaveau, la petite aspirante, ça met bien. Ouais. Tu vas pouvoir attaquer. Bon. Je vais mettre un petit marqueur sur Thalia. Je sais pas comment se place le deck contre Gruul, honnêtement. Bam! Il y a moyen qu'on fasse des choses plus dégénérées que lui. Ouais. Bah, Thalia, ça nous aide bien là, mais j'avoue, faut pas piocher de l'onde quoi. Oula, il a pas compris lui. C'est pas toi l'agresseur, mon pote. Hein. C'est nous qu'on l'agresse. Montre-lui. Oh, ça, je m'en fous bien. Excellent. Oh putain, tu vas pouvoir protéger une aspirante. Ça m'est doux, ça. J'aspire. Est-ce que je bourre ou pas? Tu veux pas protéger une carte? Tout s'entend. Tu fais ce que tu veux. Tout s'entend, tout s'entend. Ah, tu peux mettre un marqueur sur un Mutecaveau que t'aurais. Ah, vas-y, bourre, c'est bon. Vas-y, je bourre. Ah, c'est bon. Pas réfléchir 1000 ans non plus. Sans déconner. Hein. Marqueur sur lui. Il nous met un coup sur Thalia, comme ça il prend pas, elle prend pas bonne crusher. Elle prend plus bonne crusher, ok. Je voulais mettre là-dessus pour pouvoir bourrer, mais. Ouais, ça me fait chier qu'elle prenne bonne crusher, notre Thalia. Sachant que là il peut pas jouer. Il faut qu'il ait un land de plus pour jouer son Sky Sovereign. Après, s'il fait land Sky Sovereign, le mec est trop fort. Land Sky Sovereign. Ok, garde accro, c'est chiant aussi. Garde accro pour cher. Et pour pas cher, à mon avis. Pour l'inspirante, pour mettre des marqueurs. Très bien vu de sa part. Ouais. Après, on va continuer à bourrer. Il est trop bien ce deck. Tu sais que j'adore ce deck Gruul. J'aime beaucoup le truc de. Mais j'ai l'impression qu'on dit Gruul véhicule, mais c'est un peu un mensonge, tu sais. Heureux, il y a des véhicules dedans. Mais la grosse base, c'est pas des véhicules. Il y a 4 Sky Sovereign et 4 chariots quand même. 4 J'anime, je joue ça. Il faut d'abord que tu fasses. Tu peux aussi jouer garde du corps. Bah vas-y alors. Allô. Oh putain. On a perdu le jeu. Fais voir si ton sablier tourne. Alors quitte vite cette session. Il faut que je jette F4. Ouais. Allez, c'est parti. Ah mec, si ça va pas passer le tour, on est trop bien. Franchement, avec un sablier, c'est chaud là. Avec un sablier. Regarde tous les bruits là. Ah, là c'est les bruits d'un mec qui a stompé. Ouais, bien sûr. Ouais. Je connais. Oh non. Attends, on est où? Ah si, on est à son tour là, putain. Bon. Ah du coup on a juste Pasteur. Et on a mis un marqueur là-dessus je crois, ouais. Est-ce qu'on peut gagner avec ce deck en ayant passé un tour? Oui, tout est possible hein. Tout est possible, mais là le tour d'après il va nous obliger à bourrer quoi, donc c'est un peu chiant. Genre on n'allait pas attaquer. Si, peut-être. Ah, j'ai un chat dans la gorge, putain. Bah, crache-le. Eh ouais, c'est un peu chiant, quoi. En vrai, il nous aurait pris Thalia, c'était game, en fait. Ouais. Game. Ah! Alors, il y a rouge, blanc, vert, donc c'est pas foufou. Non, c'est pas bien. Bah écoute, fais ce qu'on devait faire le tour d'avant. Hein. Je Mutecaveau. Mutecaveau. Attends, je tu veux d'abord Gorb. Non. Tu veux aussi buffer ton garde. Ah, tu voulais faire avant la phase d'attaque? Oui. Ah, je pensais que tu voulais que je le mette après, moi. Et en plus, je voulais que tu payes avec ton Mutecaveau pour que t'es pas obligé d'attaquer, tu sois pas obligé d'attaquer avec lui. Ah bah après, je peux payer Braver les éléments, au pire. Ok. Je pensais attaquer avec ça, là. Ah, mais du coup, faut que tu lui mettes un marqueur. Ah ouais. Trade avec son géant. Là, ça traite déjà, je mettais un marqueur là-dessus. Ok, bah vas-y, alors fais-le comme ça. Bah du coup, si je mets ça, je peux pas... Tu peux pas Brave. Bah après, en vrai, on s'en fout, hein. Juste tu joues pas ton garde du corps, là, et puis voilà. Parce que du coup, ça, je crois que si je dis pro blanc, elle ne se tue pas. Ouais, bah alors regarde-le. Marqueur sur Mutecaveau. Yep. Je pense aussi que ça devrait fonctionner. Et t'es obligé d'attaquer avec Aspirant, hein, malheureusement, mais... Ouais, mais s'il veut trade... S'il veut trade Mutecaveau, tu vas au moins emporter la 2-2 avec toi. Ouais, il aura vraiment fait tout pour qu'on la gagne, si jamais on finit par la gagner. Mm. Ah, il prend 2, tu vois, il la tue pas. Hein. Bah ouais. Ce qui est un peu couillon de sa part, je pense. Je vais essayer de... Ouais, dire bah, pro blanc. Hein. Ouais, tu vas le faire. Hein. Ok, ça, y a pas de galère. Les créatures blanches que vous contrôlez, qui a la protection. Ouais, vas-y, pro blanc. Au revoir, hein. On voit ce que ça raconte. Moi, je pense que ça fonctionne. Excellent. C'est vraiment ce qui manquait à ce deck. Salut, The Fool. Oh, il a laissé passer, quoi. Il est dead, là. Mais pourquoi il a pas pris Thalia, d'ailleurs? Putain, il est daube. On ne comprend pas, quoi. Bah, il n'est pas encore mort de suite, mais... Oui, mais bon. On est bien, quoi. Il a deux mains de land. Il peut tricoter. Sky Sovereign, ça nous mettrait mal. Oh, et encore, ça tue aspirante. Ouais, c'est chiant quand même. Et après, il peut bloquer avec. Ouais. Ah non, on a 6-5, quoi. Ah, ça, par contre, je m'en fous. Si jamais il essaie de beat down, rien à... Ça fait des bloquants. Oh, ça, je connais. Très bien. Excellent, ça. Très bien. Et c'est quoi qu'on protège? C'est la Adeline, hein? Ouais, je crois que c'est Adeline maintenant. Ouais. Oui, ça se protège bien tout seul. Ouais. Et tu peux attaquer avec tout le monde. Tu mettrais sur Aspirante, je pense, pour pouvoir emporter les deux bêtes s'il veut bloquer avec. Et il peut même pas, il est mort en fait. Oh, ça snowball. Ça va trop vite. Oh, c'est fou. Il doit acheter un bloc. Il y a un, le monsieur. Ouais. C'est risqué. Hein. Je vois pas ce qui peut le sauver maintenant. Il peut pas utiliser Kikijiki. Même Umbercleave, ça ne nous tue pas. Donc ça nous rend plus fort. Donc ça nous rend forcément plus fort, bien sûr. Et Umbercleave n'est pas main deck d'ailleurs. Parce qu'il y a notre ami Giganta qui l'empêche. Ciao. Du coup, on peut perdre un tour avec ce deck. Alors, et gagner quand même. Ce qui est marrant, c'est que The Fool, il a pas pris la bonne bête. On a passé le tour. On a quand même gagné. C'est grandiose. Après, bah, du coup, on va déposer les armes, je crois. Du coup, contre le... On est de bons pilotes, quoi. Le poulet. Ça, j'aime bien les elfes. Oui, c'est vrai qu'on a piloté dans l'ordre, quoi. Non, endurance, ça marche pas trop. Non, on s'en fout, ouais. Et qu'est-ce qui est pas fou contre Louise? Plutôt les drop 1. Ça, en vrai, là, ça a marché sur sa guerre rouge, mais... C'est pas fou, non? Il a plein de bêtes rouges et vertes différentes. Est-ce que la carte, elle est pas juste insane toute seule? Genre, à un moment, t'as deux braves éléments, ton board, il est imbloquable, quoi. Ouais, mais... Tu vois ou pas? Si t'as deux braves éléments, t'as pas un board de ouf, normalement. Je sais pas si c'est pas genre garde du corps, les drop 1 c'est pas bien contre les jeux aggro. Oui c'est vrai, ça c'est bien. Ouais, moi j'arrive à garde du corps. Et ça ça fait de la value pour enlever garde du corps. On préfère quoi, value ou protéger? Value. Ok. Toujours. Et contre lui? Non peut-être pas, peut-être que c'était mieux de protéger, j'avoue, parce qu'il joue des bonnes crusher bien. Mais j'aime bien ce nouveau drop 1, j'ai envie de le jouer. Ah moi aussi. Enfin, tu sais que je l'ai mis dans Gut. Gut. Et je l'ai enlevé. Ah ouais? Ouais. Il est trop bien. Et je suis en mode... C'est vrai? Genre tu l'as enlevé parce qu'il faut l'enlever ou tu sais pas? Bah en fait c'est hyper cher en DC de payer 4 mana pour faire ça, quoi. Ah peut-être dans un jeu comme Gut qui veut pas rester up, ouais, mais dans les jeux qui sont plutôt à vocation bleue, c'est pas mal. Franchement je garde moi ça. Hein. Ouais j'ai garde parce que j'ai mis Mutecaveau aussi. Double Cathare c'est bien. Double Cathare c'est... Quadruple Cathare? C'est pas mal hein. Ah quadruple Cathare. Tour d'après Cathare. Cathare. En vrai, moi je prends 3 Cathare, je m'en vais. Je m'en vais en cassant mon PC, probablement. Tu prends l'ordi, tu fais... Ah, voilà. Tu vois, Limon, contre nous, typiquement, rien à quoi. C'est double drop 1 ici. Bah ouais. C'est le Lionel. Pas d'attaque. Oh, j'aurais même pu en donner un, je fais vas-y, tu veux. Ouais, tu en es un trop là. Tu vas pouvoir attaquer. La forêt de... Eh ouais, c'est mieux au tour 1 quand même. Celui-là, il a été pioché, je reconnais. Bon bah, c'est le premier Cathare qui part, hein, pas te mentir. On y va, hein. Ah oui, oui, oui. Vu que le bon qui est passé en plus... Tu enlèves quoi? Ça pour attaquer? Ouais, ça pour attaquer quand même. En plus, c'est chiant. Ok, il peut payer 5 mana pour avoir son Sky Sovereign, mais bon, merde quoi. Merde. Et Sky Sovereign, Sky Cast attaque. Et nous on fait capra capra capra. Sky Sovereign, tu le removes jamais avec Cathare, c'est vraiment chiant. Si, sur une phase de bloc. Ouais. Bon. Oui, c'est chiant. Je serais pas content. Non, mais non, après non. ça remove bien. C'est parfait, il fait que des cartes dont on n'a rien à foutre. Alors, typiquement, chasseuse d'orage contre mono blanc, moi je le laisse même pas, je crois. Il s'est dit, ouais, je vais mettre Sky Sovereign, je vais lui donner la célérité, je vais attaquer avec. Je pense qu'il se l'est dit exactement comme ça, avec cet accent et dans ces termes-là. Je vois pas comment sinon. Bah, que prend lui chasseuse, hein, et puis... Ouais. J'enchaîne, hein. On n'est pas dans un gameplay de hard reflection, tu vois. C'est bien, mais c'est bien de temps en temps. Et on va juste attaquer avec... On peut faire 2-3 blagues. Ah, mais les adeptes, ça pète les Sky Sovereign. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai ça au cas. J'avais pas... Et là j'ai 2 marqueurs, donc dès le tour prochain je peux... J'ai craché et tout, j'avais pas pensé quoi. Ah, un peu chiant. Un peu chiant. Ah oui, parce qu'il va du coup trade l'autre Cathare. Et voilà. Et ouais. Et ouais. Oh, après non, mais c'est legit, tu vois, quelque part. On méritait, tu vois. Après il fallait que j'attaque pour buffer, donc... Oui, oui. C'est pas grave, hein, je vais refaire un Cathare. Hein. Je vais faire... Bon, c'est bon. Ah, c'est bon le Cathare ou quoi? C'est là où il y a Sky Sovereign sur un adepte que tu commences à... Là c'est chiant, parce que je peux pas le gérer et... Ouais. Je fais l'avion. I'm doing the avion. Ok, donc pour l'instant on s'en fout, tout va bien. Il commence à devenir le beat d'honneur, quoi. Ouais. Le tabasseur. Faudrait pas qu'il se trompe de rôle non plus, le coquelicot. Il se trompe pas, là. Non. Vas-y, tu exiles mes bêtes, tue-moi bien. Oui, oui, on a compris, allez. Eh, j'avoue, tu prends une sacrée sauce quand même. Hein. Oui, oui, oui. Là, Ah, bon. Ah, bah, c'est 12, hein. Mais nous tout, hein. On est à 5. Je peux pas faire double bête. Ça va manquer de quelque chose, quoi. On va catarer le limon. Je pense, ouais. Catarer. Tu vas t'acatarer le limon? Ouais. Pas d'attaque, je peux double bloc une bait. Il pose une créature qui lui donne la célérité, on va commencer à avoir flou. Hein. Genre, au choix, un chariot. Allons d'être mort. Hein. On sera pas mort on board, mais on sera mort. La game qui peut bien se passer et où on passe pas un tour, c'est compliqué. Alors que la game où on a juste time walk. Ouais, on a dit tiens, vas-y, rejoue. Ah, juste on pioche une carte. Pioche une carte à toi. Je sais même pas si on a landé. Dis-toi. Je sais pas le souvenir. En fait, il a fait time walk et non réponse, on fait spirale de croissance. Les boss. Ok, fable, on s'en fiche. Mais est-ce que fiche, on s'en fable? Bien sûr, lui-même. J'accepte de mourir sur géant parce que de toute façon, on n'est pas bien là. Ouais, ouais. Oh, vas-y, décède. Allez. Tue-moi. Vas-y, foule. Fais ce que t'as à faire maintenant. Eh non, toujours pas. Giganta. Ok. Je peux faire double bait. Tu peux faire double bait, ouais. J'y vais. Hein. Oh, tu vis en vrai. Hein. Mec, regarde comme tu vis. J'en chie à peine. À peine. Allez, vas-y. Défausse de cartes pour chercher Géant Krakos. Tous les jours de Gruul, ils font ça. Ils dépensent sur 4, il y a 2 PV, là, je le tue, là. Allez, je le tue maintenant, là. En vrai, si j'étais lui, je ferais ça. Mais peut-être pas avec cet accent. Il a enlevé Sokenzan. Ah, attends. Sokenzan, 1, 2, 3, 4, 5. Non, Sokenzan nous tuait pas. Du coup, ça pouvait nous rendre plus fort, il a bien fait de le dégager. Mais s'il avait une bête à 2, je crois qu'il nous tuait avec son Sokenzan. Donc il n'a pas de bête à 2. S'il attaque avec Tanière, il se passe quoi? Ça doit pas être très drôle quand même. On est à 1, je crois. Ok. Parce qu'on a 5 bloqueurs pour 6 attaques. Ouais, c'est ça. Et derrière, on peut aussi tuer l'adversaire. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si le temps de Thalia qui pop. 16. Bah, juste là, on a l'étal. S'il est full tap, ouais. Avec Mutecaveau, on lui met 18. Après, s'il attaque avec tout, on peut pas garder tout, toutes nos cartes en vie. Mmh. Donc, s'il attaque avec tout, ça sous-entend que nous, on a moins d'attaquants. Eh ouais, le géant Krakos nous oblige à perdre une bête. Ouais. Bah. Mais les autres, non. Ouais, ouais. Bah, c'est chiant. Bah, il a eu son side après. Hein, il est où notre side, Val? Et on n'a pas sidé, nous. Hein. Si, on a 4 Lieutenant Arms. Ah, oui, c'est vrai. 0. Parce que lui, je crois pas qu'il en ait 4 comme ça, il en a pioché 2. Ah, on ne sait pas. Hein. Oh. Ouais, je croque. Oh, alléluia. Ah, tu peux croquer une chasseuse. Tu peux double... Ah non, si tu double bloc, t'es mort. Ouais, ouais, c'est nul. Et là, un là-bas. Ah non, oui, sinon t'es mort aussi. Putain, excellent. Ça, je suis obligé de donner, je crois. Ouais, ouais, vas-y, tu peux pas faire mieux. Il récupère un limon. Tu peux partir, il attaque avec son land et on a perdu. Concede. Excellent ce jeu. Le blanc de la merde. Hein. Alors, remets le garde du corps intrépide parce que ça a 2 minutes. Enlève les... Ouais. Les recruteuses militaires, tous le reste, on s'en fout. Ouais, attends, les sortes de non-créatures, ça relance. Ces chariots, ils sont rects par ça. Ouais, mais bon. Mec, stack à fond. Hein. Enlève spécialiste et mets une Reidane, si tu veux. Ça me va. Hein. J'aime bien. Vas-y. J'allais remettre. Oh, j'ai remis spécialiste. Ah, en fait, j'aime bien. Vas-y, vas-y. Peut-être que annonce du mariage, c'est bien. Je sais pas à quel point il est interactif après ça. Il nous a montré beaucoup de. Entre les gens Krakos, les cramés et tout. Peut-être qu'on voulait aussi. Après, il a full chat, quoi. Ouais, ouais, juste j'ai essayé d'expliquer l'inexplicable. Ah, juste quand tu perds, tu dis ah c'est bon, il a eu tout ce qu'il fallait quoi. Au moins j'ai pioché que des lands d'affilée, ça m'arrive jamais en papier. Je joue sur Arena, ça m'arrive tout le temps. Ouais, je commence jamais mes games. Analysez pas vos games, prenez un bon pastis et invoquez la chatte. Pastis, vous déconnez direct. C'est de la merde ça. Ah oui, c'est de la merde. Tu veux même pastis? Ah c'est mieux ça. Ah moi j'ai envie de me déconner. Oh, la C4 tech. Elle est là, Val. Bah, c'est qui et tu vas tèche en tour 1 je crois qui sera probablement le garde du corps puisqu'au tour 1 il est pourri. Oui 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 monsieur. Yes. Garde 6. Let's go. Mais pas garde du corps. C'est marrant ça. Oui. Non, un peu. Ça non c'était un peu. Non marrant. Ça fonctionne. J'ai réfléchi à. Ah merci le side qui est rect par ce Mutecaveau et cette Thalia mais c'est pas grave c'est pas grave. Mec, ça va, tu vas juste burn the bird, voilà, lui. Lui, là, il prend ton déposer les armes. Maintenant. Ah oui, il passe à 22. Pas l'accélération. Mais oui, c'est chiant. On lui met 4. Mais voilà. On met 4, on met le marqueur. Là, par contre, faut que tu top deck land pour attraper son drop 3, qui sera probablement un Reckless Time Seeker. Oh, ça va. Parfait. Putain, il a fallu qu'on soit battu par la mana base. Je l'ai senti, gros. Je l'ai senti, je l'ai vu venir. Ah, c'est pas la mana base, c'est. Oui, le nombre de land. Après, tu joues un deck à 22 land, tu vois. Donc, ah, voilà, comme par hasard, quand je joue contre le mauvais match-up, je peux pas mes landes. Non, à 23 land. Un deck à 23 land. Et oui. Petit Cathare le token, par contre, je dis pas non. Voilà, c'est bon. Ah, et encore que ça, c'est pas mal. Hein. Tu préfères Adeline? Adeline, je peux attaquer avec ça. Ouais, après le 1-1, il le mange. Non, vas-y. Enlever ça. Je taquais avec les deux, hein. Ouais, je pense. Je m'en fous de protéger ça, j'accepte le trade à l'elfe. Ça me paraît quand même chaud, hein. J'ai l'impression que quand il stabilise, lui, après, il a des bêtes qui sont grosses, quoi. Ah, le but du Gruul, hein. C'est le but du Gruul. Il est bien, son deck. Défausser ça. Me plaît bien. Pourquoi il a défaussé ça? Sky Sovereign sur Adept. En fait, les meilleures cartes de son jeu, il les a pas jouées encore, donc... D'accord. Adeline, c'est pas fou. Tu peux Reidane, hein. Reidane, c'est bien. Hein. Tu peux juste Reidane, du coup, il joue ni Chariot, ni Sky. Ni à Croix-Noire. Ce qui est très ok, quoi. Ouais, et s'il passe son tour, on est content, parce que Cathare se retourne. Du coup, nous, sur un drop 1, on peut faire Adeline. Il aura toujours une merde à poser, non? Oh la merde. Il y a toujours un Kimchi dans ce deck, tu sais, un Alpha Mana, un truc comme ça. Ouais. Juste un anti-bet sur Reidane. Oh, il a un reflet qui tourne, quel enfer. Mais ouais. Ah, j'aurais donné un reste à Kikijiki, moi. Oh là là, putain. En plus, on l'affronte. En plus, on affronte un gars qui fait pas ses effets correctement, c'est dommage. Après, il y a peut-être 2 manas. Pas besoin de ces 2 manas, je veux dire. Ouais, ok. Bon. Tu peux attaquer avec Mutecaveau ou pas? Il se passe quoi? Bah, c'est une 2-2. Il a une 2-3 en face. Bon, tu veux juste attaquer avec Reidane, je crois. Ah mais oui, mais il a 2 manas pour Cram. Pour Cramish. Après là, le tour d'après, de toute façon, reflet qui tourne, c'est un enfer. Mais ouais. On n'a jamais eu nos brefs éléments et nos cartes d'interaction, donc c'est un peu chaud quoi. Si on avait un déposé les armes. Bref, éléments, on l'a laissé hein. Ouais. Juste on l'a pas pioché, hein. Ouais, c'est bon. On y va. Partons. Faut s'en aller. Bon, c'est probablement pas le meilleur match-up qu'on puisse rencontrer. Ah, t'as perdu ton unique... J'ai perdu mon unique rang, ouais. Unique rang. Allez, une game sans bug. Une bug sans game. Allons-y. Zou, trouve un match. Une BEM sans gum. Ouais. Sans gug. Gag. Une BEM sans gug. J'adore. Ouais. Je vais te ramener un petit pastis là. Vas-y. Tu sais que j'ai du pastis chez moi. Ouais, mais je vais pas en boire. Je te dis juste. Faut faire du whisky? Ou du gin? Non, pas de. Bah là, tu vois, vu qu'il est 13h14, je préfère rien. Mais putain, est-ce que tu peux faire des mains sans 1500 landes le jeu? Eh oui, ça fait mal. Hein. Oh, le mirror. Ok. Adepte. Mec, juste lui, on va le bourrer. On va le bourrer parce que nous, on a plein de landes. Ah, il a commencé, donc mon marqueur, je dois le mettre sur mon adepte. Un peu chiant. Ouais. Ah, ça, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Bon, les cartes clés du match-up, évidemment, c'est plutôt Lieutenant de Thalia et Adeline, pas des gardes du corps. Et Braver les éléments. Et Braver les éléments, ouais. Oh, j'attaque. Non. Et non. C'est chiant parce que normalement, tu mets le marqueur sur Aspirante, et comme ça, t'attaques le tour d'après avec une 3-3 et une 2-3, et en fait, à chaque fois, tu... Lui, il a les cartes du match-up. Ah, c'est une 3-4 en plus, excellent. Ah, tu vas prendre 6. Like a boss. Eh oui. J'ai les plaines du match-up. Ah, je la sens. Cette vidéo, je la sens complexe. Oui. Je vais pas te mentir. Le mood est pas là. Non, on l'appréhende pas par le bon bout, je pense. Après, merde, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, merde. Merde. Moi, voilà. Non, vraiment merde, là. Juste merde. Ah ben nickel. Ok. Non parce qu'on peut peut-être vivre une remontada. Ouais. On peut peut-être s'en sortir. Bah, j'arrête de piocher des plaines. Tu peux déjà pour commencer. Allez piocher 2. Il n'y a pas de galère. Fait Doon. Mec en vrai là maintenant si tu piochais Eleshnorn tu serais super content. Parce que si le board stall, moi j'ai aspirante. Ouais après lui il a recruté aussi le board stall donc... Ouais, alors, je crois... Voilà, j'allais le dire, c'est une attaque de merde, ça. Ça ne fait pas, ça. On te voit ? Mec, ça, c'est plutôt cool comme drôle. Ok, c'est carrément cool. J'adore. Marqueur toujours sur l'adepte. Ah ouais ? Tu gonfles l'adepte. Ah, je gonfle. Ah, ok. Je gonfle, c'est à l'image de cette game. Ouais. Ça gonfle. L'adepte est une cheville, et on lui fait plein de compliments. La métaphore est propre. On va le faire exploser, le type. Là, je suis à 2 doigts de cliquer sur mes gardes du corps. Bon, juste parce que je sais pas où les foutre. Juste, je les fais exploser. Clic, clic. C'est Cyberman. Mais quand on est en train de gagner cette game, c'est fou alors que t'as pioché que de la merde. Ah bah après, il pioche aussi de la merde du coup, il pioche pire. Ah ça, tu m'en s'en fous. Oh, je m'en fous. Vraiment ça... Je m'en fous loulou même. Rien à... Ouais. Parce que un humain par tour, c'est un marqueur par tour, pareil. Ouais, ouais. Même combat. Sauf que toi, tu choisis en plus. Oh. Yo, oh, ça, c'est excellent, ça. Bam. Ça, c'est excellent. Ça, mon gars, c'est excellent. Ça, mon gars, c'est un dragon. Est-ce que tu fais plutôt recruteuse ou plutôt château d'Ardenval? Ça, je suis sûr d'avoir une 1-1. Ça, je suis pas sûr d'avoir un truc. Voilà, franchement, les 4 cartes, t'es sûr d'avoir un truc. Je suis sûr d'avoir un truc. Bon, si t'as 4 plaides là sur le dessus, ah, c'est fou. Attention, ça peut être fou. Hein. Ah bah, t'es mort. Bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ouais. T'es mort? Ouais, je suis mort. Vraiment? Ah ouais. Ah bah, laisse le faire, je veux voir. Non, château, c'est blanc? Ouais. Eh ouais. J'ai une envie d'hurler, Val. Mais quelle est cette sorcellerie? J'ai une envie d'hurler. Comme jamais j'ai hurlé. Comme Mbappé quand ils ont gagné contre l'Angleterre. Normalement, cette image, son visage est déformé, ouais. T'as pas vu? Ouais, j'ai vu quand il est content que Harry Kane ait loupé. Bah, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Mais il est pas content, en fait, il hurle. Ah, ouais. Parce qu'on arrive sur image, on dirait juste qu'il fait un énorme sourire, tu vois. Oui, mais en fait, non, il a hurlé. Comme nous, là, maintenant. Eh ouais, hein, Thalia, c'est pas dingue. Hein. Même spécialiste, c'est pas... Et les drop 1, je pense que tu peux enlever garde du corps, du coup. Enfin, indestructible, c'est pas ouf, quoi. J'imagine. Ok. Même Reidane, moi, je... mais Reidane. Non. Mieux que garde du corps. Mec, si. Tu le mets en Valkmira, là, let's go. On est sur des techs... Let's go. Approximatives, là. Non, 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 mais non. Sûr que non, c'est approuvé, testé. Tiens, bah tu sais, fais-la celle-là. Ah, je vais la faire. Mais tu vas voir, là ça va rosser. Je vais voir, je vais vite comprendre. Déjà, tu comprends vite. Déjà, la main est bien. Ah, bah oui. Mais tu sais ce que ça fait une main comme ça? On trouve pas son troisième land. Arrête, c'est bon. Et... Ça va, les rabat-joie là. Hein. Moi, je suis gonflé, Val. Ah, je vois que tu es gonflé, ouais. Je suis gonflé de partout là. J'enfle comme un ballon de baudruche. Un. D'ailleurs, il joue des neigeux, je ne sais pas pour quelle raison. Bah pour jouer à Dan. Mais c'est pour ça qu'il faut rentrer Dan en fait. Eh oui. C'est juste bien déjà pour ça. Allez, c'est parti. Non, je pensais à pouvoir caster Reidane moi. Avec des neigeux. Pas besoin. C'est mieux. C'est roleplay. Et il l'a gardé. Ouais, ouais. Il l'a dit. C'est marrant parce qu'on a 3 spells non créatures dans la main. Ouais, tu trouves pas le land. Hein. J'ai dit quoi? Mais c'est ta faute, PL. J'ai dit quoi, Val? C'est clairement de ta faute. Non, tu m'as dit, t'as vu cette main? J'ai dit oui, je sais. Oui, bah en même temps, si t'as décrit, tu l'as invoqué. Non, j'ai décrit. Non, mais il va se passer ça. Arena t'écoute. Rigged. C'est comment ça se passe? Coupez votre micro quand vous jouez à Arena, vous allez voir bizarrement. Ah non, c'est que les streamers qui ont ce pouvoir-là. Ah. Il y a une autre Thalia, comme ça c'est bien. Ah, Adeline. Mec, bam! Qu'est-ce que tu vas faire là? Bam! Bah rien. Face attaque. Pas de face attaque. Il va faire Cathare sur Adeline. Super. C'est lent ça. Garde du corps. Putain, il a gardé toutes les cartes que nous on n'a pas gardées. Du coup, il a rentré quoi le type? Je me pose la question. Mais pose-toi les bonnes questions, Vol, surtout. Parce que tu te poses des questions, mais pas forcément les bonnes. Pas forcément les bonnes. Bon, mec, là, t'inquiète que là, j'ai pas de questions à me poser. Vas-y, pose-toi pas de questions. Marqueur, il va où? Je sais pas, j'attaque ou pas? Sur Adeline? Non, si j'attaque, c'est chiant, il double trade. Là, plutôt. Ouais. Comme ça, je pourrais récupérer ça un jour. Prépare le terrain? Le futur. Bah, à un moment, je vais faire braver les éléments, je te bourre et on va gagner la partie. Ouais. Parce que le match-up est giga intéressant, du coup. Il ne l'est pas. Ah, c'est chiant. Ah, ça, j'avais oublié de préciser. Ouais, la guerre des Qatars, ça me titille un peu, tu vois. Annonce, hein, tranquillement. Annonce de marriage. Marriage. Tu sais que je vais juste braves éléments pour attaquer et trigger annonce et piocher une carte le tour après. C'est un plan de grand méchant. C'est terrible si tu fais ça, Val. Ah ouais, mais on en est là. Hein. Je non, non, t'es pas obligé. Si. Non, non, t'es pas obligé. Tu peux enlever les marqueurs de ton adepte. Mec, je vais commencer à être obligé, je te le dis. Parce que monsieur top deck tout, si. Il n'a pas animé ses deux Mutecaveau sur son lieutenant. Eh non. Parce qu'il aurait pu animer un Mutecaveau qui anime le deuxième en plus. Ah oui. Alors, mais les deux s'animent tout seul de toute façon. Alors, attaque pas, c'est nul. Faut garder braver les éléments pour faire un truc. Ok. Les recruteuses, mets ton petit marqueur sur le token. Pour le token? Ouais. Ok. Je pense. Fin de tour, je pourrais libérer ça aussi si je veux. Ouais. Retirer des marqueurs +1/+1, c'est la capacité. Ouais. Ouais. Je pourrais enlever le marqueur d'ici et lui laisser un marqueur, je pense. En fait, faut toujours jouer des cartes aussi pour que ça se retourne pas, quoi. Mmh. En rituel. En rituel, oui, oui. Après, il a peut-être vraiment rien à faire ici. Ça pioche des bonnes cartes. Il a rien à faire ici. Ok. Je sais pas quoi faire. Je suis désemparé. Bah, on va juste faire bref les éléments, on va gagner, donc pas de. Enfin, je m'en fous de son board, quoi. C'est qu'il faut compter 21. On compte 21, on est bon. C'est bon. Du coup, est-ce que je... Ouais, franchement, je récupère ça. Hein. Oh ouais. Attends, attends, t'es encore en phase d'attaque. Ah oui, ça pue. Là c'est mieux. Oh, je pète mon annonce. Oh, vas-y, casse. Baby casse. Ok. Je récupère. Mec, on est à combien, là, par rapport à 21? Oh, très bien, ça. C'est inspirant, là. Loin. Loin. 4, 5, 6, 7, dommage, 8, 9, hein. 10, 11 avec... Franchement, le tour d'après, plus si loin. Non, mais tu l'as pas. Mec, pas si loin, je te dis. Je me buffe les tokens, je pense. Je mets un adepte, un token. Un adepte, un token, ouais. Comme ça, j'ai un gros bloqueur. Gros bloqueur. Oh, le gros bloqueur. Par contre, est-ce que lui, il a 23 un jour? Non, jamais. Non, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai dit non, Pierre 17, 18, 19, 20, 21. Il a 21. Ah non, peut-être avec son chef de dune, il nous tue. Donc s'il trouve braves éléments, on a perdu. Je crois qu'il n'y a pas le mana. Non, non, il n'y a pas le mana, ça coûte cher. Par contre, moi je pense que là on le tue. Mais on ne met pas 21 du tout. Mais si, si. Regarde. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Ah si, on le tue, putain. Mais oui, on le tue fort. Il est trop bien ce match-up. Hein. Ah oui, j'avais pas compté le token et le +2/+2 des aspirantes. Ouais. Bah, let's go. Ouais. Trop blanc, attaquer trop blanc. C'est vraiment nul. C'est nul comme deck. Par contre, je vais d'abord... Sinon, je peux pas mettre les marqueurs, je pense. Ah ouais? Bah, j'imagine que non. Tu peux pas cibler une créature qui a pro blanc. Ah bah ouais, du coup, vas-y, passe en contrôle total. Donc là, je fais d'abord combat. Ouais. Combat. On s'en va les couilles. Ouais. Ouais. Résolution. Ouais. Résolution. Pro blanc. Je t'enlève le contrôle total. Je découvre un truc vraiment qui ça m'énerve que ça se passe comme ça, le mirror. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est incroyable. C'est incroyablement ignoble. C'est ignoble. Ah ouais? Ah, je déteste. Ah, c'est horrible. Ah, wow. On dirait des games de Commander Multi où les gens se trahissent. Et sauf que là, c'est tu 1v1. Comment on fait du coup? Comment on bat cette stratégie-là? On trouve les nôtres de braver les éléments. Peut-être que Reidane en Valkmira ça aide. Ça réduit le potentialité de en maison 1 de l'étal. En plus, il joue. Je m'aurais dit peut-être que Thalia c'est bien pour qu'il casse plus cher. Je t'aurais dit ah ouais. Ah ouais, vas-y, c'est bien. Ah désolé, hein, mais il a Thalia en face. Non, il les enlève pas. Non non, bah il les enlève pas. Il se dit comme ça, si vous jouez Valkmira, ça lui coûte 5 mana. Je suis bon rabbin. Bah, attends, tous les mirrors se soldent pas comme ça quand même si. Bah mec, il y a la combo donc... C'est une grosse main de merde. Hein. Mec, on peut pas refuser ça. Non mais c'est une grosse main de merde. Oui, mais... Ah non, putain. Non, non, je refuse pas ça. Je ne refuse pas ça. Vous l'auriez refusé. Terrible. Non, dites-moi dans les commentaires, vous l'auriez refusé cette main? Moi jamais. Oui, 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 oui. Non, non, non. Mec, si on a le troisième land, c'est exceptionnel. Adeline. Dans Adeline, Parce qu'il va les gérer, il va les gérer. C'est là où il fait juste sa sortie que des tours, hein, braver les éléments. On a la clé du match-up. Oui. Bah voilà. Oui, mais la clé du match-up, elle, la condition sine qua non, c'est que le deck autour met des bêtes. Mec, regarde, mais c'est une combo, ça. Ça met des bêtes et ça fait grossir le board. Exceptionnel. Ok. Tu sais que beaucoup de drop 3, ça veut dire quelque chose. Hein. Je ne dirai pas quoi. Je dis juste que tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire pas de troisième land. C'est pas moi qui dis. Le jeu écoute, je suis trop con. Ah non, mais il faut que ce soit ta voix, c'est ton... Non, c'est mon compte, ouais, non, bah, il m'écoute pas en fait. Je suis le maître du compte. Après, il la concède maintenant. Time out. C'est pas grave, moi j'avais pas envie de revoir ça. Mais même lui, il se fout en l'air. Non. Mec. J'ai pas envie de revoir ça. Je pense que il a vu comment se solder le match-up. Allez, il sait ce qu'on a dans la main. Il dit, tiens, il joue rien pour un. Je connais. Il a vu à quoi ressemble le match-up, il se dit non, c'est pas possible. Je ne joue pas à ça. Non, il dit non, ça serait nul. Il a pas joué son tour 1. Il dit, ce serait nul. On est en train de gagner cette game. Hein. Mais non, c'est nous qui commencions. Bah non, on a gagné. Pourquoi ce sera nous de commencer? Ah oui, non, exact. Il s'est juste barré le type. Il a 8 cartes en main là. Ouais. Mais parfait. Ah, il s'est dit, moi vivant, je ne joue pas à ce jeu. Ah non. Mais en même temps. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il a pas le droit de rager, Dodoc. Parce que si c'est dit, oh putain, il a brave des éléments, il a rien fait, il nous a tués. Gros, t'as fait ça la une. Donc voilà. Tu peux pas rager. C'est toi qui nous a montré. Tu peux partir parce que tu trouves que le gameplay est naze. Mais par contre, tu peux pas rager. C'est largement compréhensible. On a gagné le premier BO3. Non. Non. Mais non, on a affronté Jean-Michel Gruul tout. Tu sais, Gruul, il a rien fait, juste il a tué une de nos bêtes et on pouvait plus passer. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais. Il a juste rien fait, il a tué une bête, on avait perdu la game. Après, on a pioché que des landes, quoi. On avait des 2-1, il avait des 2-3. On a pioché que des landes. Perdu. Hop là. Fin de tour, braver les éléments. Ouais, il est bien au courant qu'on a bravé les éléments, mais visiblement, il s'en fout parce qu'il est plus là, le type. Il est où? Plus là. Ah, j'aurais peut-être fait lieutenante dans le vent. Non, non. Pour Adeline, après. Mec, t'es caté. J'ai une tech. Je pioche le troisième land. Adeline, je mets caté. Et le tour d'après, je fais lieutenant parce que j'ai pioché mon quatrième land dans aspirante. Et là, c'est la folie. La folie est furieuse. Ça clenche. Ça clenche fort. Ça va clencher. Ah non, c'est pas le même film. Ça clenche, ça va, bah, ça va clencher. Je crois que c'est la suite de ça clenche. Ouais, c'est Speed 1 et Speed 2. Et toi, c'était Fast and Furious. Ouais. Mais je crois que c'est Rapide et Furieux, hein. Attends. C'est Rapide et Furieux, Fast and Furious, ouais. Bon, en même temps, c'est une traduction littérale. Fast and Furious. Québécois. Ou Rapide et Dangereux. Ah, Rapide et Dangereux, c'est beaucoup plus stylé. Au Québec. C'est beaucoup plus stylé. Bon, bah, et Dodoc, merci pour cette victoire gratuite. J'en demandais pas tant, j'aurais préféré jouer des cartes. Et jouer un Braves et éléments avant toi. Ça, vraiment, j'aurais adoré, quoi. On ne saura jamais si on piochait un troisième land. Moi, je sais que non. 100% on le piochait. Non. Avec 100% on le piochait. Je te le dis, 100% on le piochait. Mais du coup, j'ai bien fait de garder cette main. Dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a diverti parce qu'en vrai, elle n'était pas dingue. Hein. Mais je trouve que c'est super important de mettre en exergue ce qui se passe avec Braves et éléments. Oui. Parce qu'après, des miroirs de monoblanc, tu vas pas en affronter plein. Mm. Peut-être que si. Mais tu sais ce que c'est le pire avec Braves et éléments? C'est pas que c'est une nouvelle carte qui fait que le deck fait ça. C'est qu'elle n'était pas légale dans le jeu avant. Mais oui. Elle était légale en pionnier. Oui. Et maintenant, les mecs qui jouent à Arena, ils voient ce que ça fait, Braves éléments. Ouais. Et ils disent, putain, c'est de la merde. C'est de la merde un peu. Mais je pense que tu joues monogreen dévotion, tu prends Braves éléments, même combat. Si jamais ça marche pas sur des Braves clean. Sur Supreme Verdict, Braves éléments, vous la mettez dans le cucu. Ah non, mais je pense que dans tous les autres match-up, ça va. Mais juste quand les deux boards sont stall et qu'il y en a un qui fait tiens pour un mana, j'ai gagné. Bad feeling. Bah ouais. Mais en même temps, mono blanc serait pas bon s'il n'y avait pas bravé les éléments. C'est pas genre une carte qui fait gagner, c'est le fait qu'elle coûte un mana. C'est le pire truc. Je pense qu'en vrai, la carte, elle est vraiment chiante. Elle est pas problématique, elle est relou dans le gameplay pour le mirror. Dans tous les autres match-ups, ça va. Ouais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est phase d'attaque avec tout. Il bloque, vous faites braver les éléments. Comme ça, vous tuez pas le mec, mais juste vous lui montrez que vous auriez pu le tuer. Ah, mais vous êtes good manner. La serbe dominance, t'as juste tradé toutes ces bêtes. Voilà, tu trades et tu fais à toi. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Le pire gars. Et tu sais qu'un gars, il me fait ça sur Arena, je hurle. Et si le mec fait braver les éléments en réponse, il dit merde. Fog. Pour deux Fog. GG. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Val&PL Magic Arena FR. On continuera à tester. Je me permets, on continuera à tester les decks Explorer. Donc dites-nous quel deck Explorer vous voulez qu'on teste qui sont déjà des decks de pionnières. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.